Allez, c'est parti, on recommence. Je fais la vidéo du jour. Shalom. Le psaume et proverbe. Aujourd'hui, le psaume numéro 44. On le commence, on ne le termine pas. Il y a 27 versets. Et aujourd'hui, c'est du verset 1 à 9 seulement. Seulement. Lève-toi à notre aide, le titre. Au corrège des Bnei Korah, perspicace. Elohim, de nos oreilles nous l'avons entendu, nos pères nous l'ont raconté. Tu as œuvré, œuvré en leur jour, au jour d'antan. Toi, ta main, tu as déshérité, tu as implanté des nations, tu as malmené des patries et les as renvoyées. Car par leur épée, ils n'ont pas hérité la terre. Leur bras ne les a pas sauvés, mais ta droite, ton bras, la lumière de tes faces, oui. Tu les as voulu, toi, lui, mon roi, Elohim. Ordonne les saluts de Jacob. En toi, nous encornerons nos oppresseurs. En ton nom, nous écraserons nos assaillants. Car je ne me fie pas à mon arc. Mon épée ne me sauve pas. Oui, tu nous sauves de nos oppresseurs, nos haineux. Tu les fais blêmir. En Elohim, nous louangeons tout le jour. Nous célébrons ton nom en pérennité. Amen. Proverbe chapitre 22, nous commençons. Donc le verset 1 et 2. Verset 1 et 2. La renommée est préférable aux grandes richesses et la bonne grâce plus que l'argent et l'or. Le riche et le pauvre s'entre-rencontrent. Celui qui les a tous faits, c'est Yahuwah. Répétition du proverbe. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et l'argent. Le riche et le pauvre ont ceci de commun. Le Seigneur a fait l'un aussi bien que l'autre. Amen. Ta parole est vraie. Seigneur, aujourd'hui, il y a une sœur qui m'a partagé qu'il ne fallait pas dire Amen à la parole d'homme, comme on a l'habitude quand on écoute une prédication. Qu'est-ce que c'est? Il est sorti? Oh là là. Pardon, j'ai bougé. Je t'ai enlevé le pain de la bouche. Enfin, c'est pas le pain, c'est le lait. Je disais donc qu'une sœur m'a partagé cela, de ne pas dire Amen à la prédication et tout. Voilà, qu'on devait dire Amen seulement à la parole de Dieu. J'ai souvent dit Amen à la prédication, même sur Internet, des fois je dis Amen. J'ai peut-être péché donc. Seigneur. Il est l'Amen. Il s'appelle l'Amen lui aussi. Mais bon, ce que j'ai plus en tête, c'est l'Amen après la prière, quoi. Et quand on prie alors avec tout le monde. C'est pas mal de dire Amen à la prière. À la personne, si t'es d'accord avec elle sur ce qu'elle dit de notre Dieu Elohim Tout-Puissant. Oh, Père éternel, merci pour cette journée de vie que tu nous as encore accordée. Toi qui as fait, voilà, qu'on puisse respirer, qu'on puisse s'occuper, qu'on puisse voir, entendre, parler, manger, boire, à notre faim, à notre soif, méditer, venir à toi encore une fois dans la prière, dans la lecture. Tu es bon Seigneur, c'est toi qui nous attire à toi. Merci. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas. Tu es avec nous, je le crois, comme tu l'as dit, tous les jours. Jusqu'à la fin. Pardon. J'ai deux mêmes prises. Pardon. Oh Seigneur. Merci pour la vitalité, la forme physique et cette santé. Et bénis ceux qui n'ont pas. Seigneur, guéris les malades.
ceux qui s'attendent à toi. Qu'ils puissent invoquer le nom au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Isaïe nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oui. Par les meurtrissures de notre Mashiach, Sauveur et Roi et Seigneur. Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il y a bien des Seigneurs sur terre, mais c'est le Seigneur. Il y a bien des rois qui ont existé, qui existeront encore, mais toi, tu es le Roi éternel. Sa royauté n'aura pas de fin. Amen. C'est écrit, c'est Amen, c'est écrit. C'est ta parole, ta parole, ta parole est oui et Amen. Merci pour ta parole. Seigneur, tu connais le cœur, la personne qui souffre dans son corps. Et tu n'as pas changé. Tu délivres, tu guéris, tu sauves aujourd'hui encore. Tu veux te révéler, tu veux montrer ton amour, tu veux montrer ta puissance, tu veux montrer... que tu existes, que tu es l'éternel je suis. Tu veux montrer cela. Guéris, Seigneur, celui qui te demande. Alléluia. Ta parole dit demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Toi-même aussi, tu nous dis que tu tapes, tu frappes à la porte. Que tu veux qu'on t'accueille. Tu veux rentrer et souper avec nous. Tu veux l'intimité avec nous. Tu veux être dans notre maison, dans notre vie, dans notre corps. Tu veux que notre corps soit ce temple du souffle saint qui est toi en nous. Le souffle saint, c'est ta personne. Merci, Seigneur. Nous sommes habités de toi. Il n'y a pas trois dieux, trois Elohim, non. Tu habites en nous par le souffle saint. Merci. Et je ne veux attrister ton souffle. Je ne veux pas t'attrister, Seigneur. Lorsque je dis attrister ton souffle, pour moi c'est pareil que t'attrister. C'est pareil. Je ne veux pas t'attrister. Je veux faire ce qui te plaît. Je veux parler comme il te plaît à toi. Pardonne-moi mes fautes et mes manquements. Pardonne tous mes frères et sœurs, toute personne qui est sincère devant toi, qui te demande aussi pardon. Toi qui sens les cœurs et les reins. Oui, nous devons tous avancer. Aucun doute à avoir que tu es avec nous. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Même s'il est long le chemin, même si ton ciel n'est pas chaque matin clair et sans ombres à l'horizon, tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Amen. J'ai dit amen à la chanson, mais la chanson est tirée de paroles de Dieu. J'ai dit pourquoi amen, est-ce que je pêche beaucoup Seigneur? Montre-moi mon péché afin que je m'en détourne et que j'abandonne toute mauvaise habitude. Merci papa. Quand je prie, je dirai toujours amen. C'est amen. Soyez bénis, que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent, que ta parole soit donnée, pratiquée, bien comprise, pour être bien pratiquée. Voilà, oui, c'est mon désir, le désir de tous qui t'appartiennent vraiment, que d'autres soient sauvés. L'âme, tu t'intéresses à l'âme de la personne. Comment vas-tu? On lui dit, comment vas-tu? On parle surtout de la santé physique, mais il faut dire aussi, comment va ton âme? Comment va ta santé spirituelle?
Soyez bénis, à demain.